Bonjour tout le monde, c'est Student Kitchen, on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc vous m'avez répondu dans les sondages que j'ai fait sur Instagram, je vous invite à me suivre parce que je suis très très connecté sur Instagram, j'essaie de publier assez souvent pour le tenir actif. Donc des repas moins de 5 minutes, donc là je vais vous faire un petit croque-monsieur revisité, très rapide à faire, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête le soir en rentrant des cours ou autre. Donc tout simplement il nous faut du pain de mie. Du pain de mie qu'on va venir écraser. Donc, vous pouvez le faire très bien avec la main ou avec un rouleau à pâtisserie. Voilà. Donc, déjà deux tranches. Et les deux autres. Donc, pour cette recette, il nous faudra aussi la moitié d'une tranche de jambon. Comme fromage, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a dans votre frigo. Ça peut être de l'emmental, une tranche de cheddar, du Babybel. Même du fromage à raclette. Donc là, on va venir trancher le jambon en lamelles. Voilà. Venir tout simplement le disposer au centre. Là, on va venir prendre la tranche de cheddar. Voilà. On la coupe en deux. On essaie de la disposer pour que ça déborde pas en dehors de la tranche de pain de mie. Là, on va venir réécraser. Voilà. Et on va faire pareil avec le Babybel. Hop. On reprend le jambon, pareil. On le dispose. J'ouvre mon Babybel. Voilà. C'est un peu galère à ouvrir des fois. Voilà. On va venir le couper en deux, comme cela. Et tout simplement le disposer comme ceci. On remet la tranche de pain de mie au-dessus et on revient écraser pareil. De là, on allume notre plaque à feu moyen. Donc si vous avez une plaque électrique, vous la mettez à 4, 3, ça suffit. On va prendre de la matière grasse, donc du beurre, vous pouvez utiliser n'importe quoi, du beurre doux, demi-sel, voilà. Donc on va en prendre un peu. On va venir tartiner chaque côté. Voilà. Pareil sur l'autre. Faut en mettre un peu généreusement, hein, parce que c'est ce qui va faire cuire le croque revisité à la poêle. Si on va mettre aucune matière grasse en plus. Et ce qui va donner un petit coup doré et goûtu à la chose. Donc là, comme vous pouvez voir, ma poêle commence à chauffer. Donc, elle chauffe tout doucement. Donc là, je vais mettre mon premier croque. Je fais ça pour que le beurre s'étale un peu partout dans la poêle. Et là, je laisse cuire 3-4 minutes par face. Je vous reprends juste après. A few moments later. On se retrouve. Là, vous pouvez constater que les crocs est bien doré des deux côtés. Donc, j'éteins mon feu. Je sors le croque sur ma planche à découper. Et là, on va les ouvrir ensemble. Donc, ça m'a pas pris longtemps. Comme vous pouvez voir, le fromage est bien fondant, le Babybel, regardez. Et pour le cheddar, on va regarder tout de suite. C'est pareil, regardez, il déborde presque même. Vous voyez? Regardez, si on appuie un peu dessus, c'est magnifique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager, à commenter ou à liker la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram quand je l'ai dit au début de la vidéo. Et je vous souhaite un bon repas si vous mangez. Sinon, une bonne journée. C'était Student Kitchen.